Bonjour les amis, un texte dans le livre de Job, je commence à partir du verset 19, « Nous sommes dans le noir » et le verset 21, « Voilà que tout à coup on n'y voit plus très clair, le soleil est caché derrière les nuages, alors le vent se lève et il nettoie le ciel ». Les disciples ont besoin de saisir une chose. Il y a un royaume de ténèbres qui provoque de la confusion dans la vie de la pensée du disciple. Et donc la bataille commence d'abord en prenant conscience qu'il y a des ténèbres qui attaquent et qui provoquent la confusion et qui mettent, comme dit Job, dans le noir. Dans le noir, dans la confusion. Mais il y a un mot d'espérance. Tout à coup, on y voit plus clair. Le vent se lève et il nettoie le ciel. Dieu dit, le vent se lève et il nettoie le ciel. Enfin, on saisit que quand le vent se lève, quand l'Esprit vient, alors il nettoie, il purifie. Contre la confusion, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons besoin de demander à Dieu. Saint-Esprit, viens, aide-moi. Et dans le nom de Jésus, je prends autorité sur la confusion qui brise, qui désordonne non seulement mes pensées, mais qui affecte ma destinée. Autorité dans le nom de Jésus. Et conscience qu'il y a un monde de ténèbres qui provoque des confusions dans la pensée des disciples. Bon combat, le Seigneur est avec toi.